Hello tout le monde, je regarde si ça défilait comme d'habitude le matin des 6, s'il me plaît. Faut que je tourne la tête à 360 degrés. Alors, aujourd'hui, ben oui, je reviens pour encore une petite vidéo. Voilà. Je regarde. Oui, parce que je vous ai demandé votre avis. Si on continuait de faire des petites vidéos nettes, et vous m'avez dit oui, alors c'est reparti pour un tour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, on va se faire une petite carte pop-up, ultra simple, ultra facile, pour les débutantes comme nous. Alors, là, bon, j'ai fait ça, j'ai pas fait mon décor encore dessus, mais voilà, elle va se présenter comme ceci. Et on passe juste le petit doigt dessous, ici, et on tire, et il y a un petit pop-up qui apparaît. On peut le refermer aussi, comme ça. Donc là, on peut mettre une jolie image ou encore un petit tamponou. Voilà, et hop, on la referme comme ceci. Alors, c'est parti, mon kiki. Il fait 260 degrés. Alors, vous allez voir, c'est simple de chez simple. On va prendre des blocs de trois couleurs de chez Action. Là, on va prendre une feuille bien solide de 22 de long sur 14,5 de large. D'accord? Et on va la plier en deux. Donc, ça va nous faire notre petite basounette de cartonnette. Fait très très chaud. D'accord? Voilà. Ensuite, il va nous falloir deux papiers de déco de 10,5 sur 14 pour l'intérieur. Deux pour l'intérieur et un troisième pour l'extérieur qui va nous servir à faire notre déco. Donc, je répète, un papier pour faire la base de 22 sur 14,5, une feuille épaisse, et trois papiers pour la déco de 10,5 par 14, deux qu'on va mettre à l'intérieur et un qu'on mettra à l'extérieur. D'accord? Ensuite, dans le papier plus fin des blocs, parce que je le dis, je le redis, moi quand je fais du pop-up, j'utilise ces feuilles fines. Quand on prend, pour moi, après, c'est toujours pareil. Quand j'utilise du papier trop épais pour faire du pop-up, ça ne fonctionne jamais. Enfin, ça coince, ça... Voilà. Donc, moi, je préfère utiliser du papier fin. Voilà. Pas trop fin non plus. Pas une feuille d'imprimante, mettons à la limite un peu plus... La gamme un peu au-dessus, on va dire. Voilà. Le grammage, pas la gamme, le grammage. Comme les ramages, et le plumage. Donc, là, il nous faut un papier de 9,5 de large sur 15. D'accord? 9,5 de large sur 15. Pareil, on plie. Au milieu. Et là, il va nous falloir trois papiers de déco de 7 par 9. Alors là, je vous explique. Faites attention quand vous allez découper votre papier de déco. D'accord? Parce que comme je vous ai montré là, dans la carte, votre mécanisme ne va pas être dans ce sens-là. Il va être dans ce sens-là. Donc, quand vous allez prendre vos papiers déco, faites attention quand vous découpez. Voilà. Faites attention le sens parce que ici, voilà,
que les feuilles soient à l'endroit. Bon, ici, on s'en fout, c'est des lignes. Et là, l'oiseau, pareil. Faites attention, l'oiseau et la rose, que ça soit dans le bon sens. D'accord? Pas comme ça, comme ça. D'accord? Donc, je répète, dans le papier plus fin, il nous faut un papier de 9,5 par 15 et 3 papiers de déco de 7 par 9. Ok, voilà, et ensuite, toujours dans le papier fin, un papier de 9,5 par 13, pareil, qu'on va plier en deux, on va bien le plier, hein, quand même, et il va nous falloir deux papiers de déco de 6 par 9. Toujours pareil, dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, 9,5 par 13, nous allons coller les deux papiers à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Moi, je vais le faire hors caméra après parce que sinon le tuto va durer 2 heures. Voilà, comme ceci. On ne va pas mettre dessus. On le met à l'intérieur, les deux papiers à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et pour le morceau de papier de 9,5 par 15, on va faire pareil. Alors, je regarde des côtés où j'ai ancré. Excusez-moi. Pareil. À l'intérieur, on va coller deux papiers à l'intérieur et un papier à l'extérieur, à l'arrière, à la fin, pas sur celui de devant, à la fin, d'accord? Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous. Alors voilà, ça y est, j'ai tout collé, mais comme elle est bien entendu, j'ai oublié de vous dire avec quel bloc j'ai travaillé. Donc, j'ai pris le Nature Vintage de chez Action. Voilà. Donc, après, je vous montrerai ce que j'ai pris aussi pour la déco. Donc, voilà, à l'intérieur, j'ai mis les petits papillons, la libellule, la petite abeille, voilà. Donc, j'ai pris ce bloc-là. Donc, on a mis à l'intérieur de notre base de cartes nos deux morceaux. Le troisième, je l'ai mis de côté pour faire à la déco. Sur le 9 par 13, deux petits papiers déco à l'intérieur. Et le 9, pas par 9, pardon, 9,5 par 13, les deux petits papiers à l'intérieur. Et le 9,5 par 15, deux papiers à l'intérieur. D'accord? Pas sur la première face. À l'intérieur et un derrière. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous le mettez à l'envers. D'accord? Ici, il nous faut la partie sans rien. Et ici, la partie décorée. Donc, à l'intérieur, on a les deux papiers déco à l'intérieur. Je vais y arriver. On va prendre notre petit livret. On va venir mettre de la colle sur l'arrière. D'accord? Un petit peu de collette. Étaler partout, on étale bien la colle. C'est une peluche de ficelle.
coincé dans mon ongle parce que j'ai fait un nœud avec la ficelle. Donc, on enduit notre petite partie ici, donc pas devant, mais au recto. Et on va venir se positionner bord à bord, ici, sur le morceau de l'autre petit livret. Bien bord à bord, comme ceci. Voilà, qu'on ne dépasse pas. Et on va appuyer pour que notre colounette prenne bien. Voilà. Alors on va attendre 2 minutes que notre petite colounette colle bien. Et sur ce, oui, on est à 11 minutes, ça va. Sur ce, je voulais faire passer un petit message à ma petite Clary de la chaîne Clary dans tous ses états, qui traverse une période difficile en ce moment. Et je voulais faire passer un petit message en lui disant que si elle passe par là, ben, qu'elle n'est pas toute seule à traverser cette cette épreuve, on va dire. Voilà. Parce que même si on est loin, même si, voilà, tu sais que tu n'es pas seule. Voilà. C'est difficile, oui, c'est très difficile. Parce que je suis passée par là à plusieurs reprises. Et je sais que, voilà, quand on traverse un moment comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident, malgré qu'on nous dise il faut avancer, ça va aller. Oui, ça va aller, certes, ça va aller. Mais il faut le temps quand même de digérer ce qu'on vous annonce. Donc, voilà. Mais je sais au plus profond de moi que tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que déjà, tu es une belle personne. Donc voilà, ça résume beaucoup de choses. Tu es une battante, tu es forte. Et c'est un combat, oui, un combat à mener. Je le reconnais. Je sais ce que c'est. Voilà, comme je t'ai dit, je sais ce que c'est. C'est pas évident. Mais je suis sûre du fond de mon cœur, de mes tripes, que ça va aller parce que voilà, il faut, de toute façon, il faut sortir gagnante. Voilà, il faut pas baisser les bras, c'est pas évident, je le sais, c'est pas évident, c'est, mais voilà, comme je t'ai dit en message, je te le redis, il faut vraiment, vraiment qu'on mette un coup de pied au cul, voilà, ouais, de cette maladie. Voilà, il faut se battre, il faut lui dire qu'elle ne gagnera pas. Voilà, qu'elle ne gagnera pas et que c'est nous qu'on gagne. Voilà. Donc voilà, je tenais à faire une petite vidéo parce que Clary, voilà, c'est quand même quelqu'un qui m'a accompagnée dans mes débuts de scrap. Voilà, c'est ma Nine, quoi. Voilà, ma petite Nina, et j'aimerais que toutes les filles qui ont des chaînes YouTube et qui connaissent Clary fassent des petites vidéos comme ça, pas des courriers, pas des trucs comme ça, mais voilà, parce que bon, les courriers, c'est toujours pareil, on envoie des cartes, voilà, mais faites-le si vous avez envie, pour celles qui n'ont pas de chaîne, mais pour les autres qui ont des chaînes, faites-lui des petits messages comme ça, lui dire, voilà, parce que moi, si j'étais à côté de toi, je te raconterais des blagounettes, je viendrais te voir, on parlerait des tas de choses. Je ne vais pas raconter des blagounettes sur YouTube, sinon ils ne s'en sortent plus, ils vont me censurer. Mais voilà, il faut que tu regardes des vidéos, des copinettes qui te fassent passer des messages en te donnant
Lagnac, je sais que tu l'as, que tu es très bien entouré, mais quand on est derrière et qu'on nous booste, ça nous fait du bien aussi. Voilà. Et je voulais simplement dire que tu n'étais pas seule. Voilà. Je vais fermer la parenthèse parce que voilà, ça me touche énormément. Je t'embrasse très très fort, Manine, et je sais que. Allez, on va gagner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on revient à la petite cartounette. Pleine de gros gros bisous, ma belle. Donc, une fois qu'on a collé, ici, vous voyez, il y a un petit écart. Cette partie-là, on va la rabattre dessous. Et on va remonter celle-ci. Donc, ça fait que là, on a le petit bourrelet qui est au-dessus cette fois-ci. Là, on va venir prendre notre règle. On va juste venir marquer 5 cm du bord en bas. C'est tout simplement une petite marcounette qu'on va faire avec notre crayon. Voilà, pour nous indiquer. Juste à l'endroit où on va poser notre colle. On ne va pas dépasser ce trait. D'accord? On ne va pas descendre plus bas. C'est un petit repère pour notre colle. Voilà. Donc, on étale bien notre colle. Et là, on va venir tourner, bien sûr, et venir coller nos petits paquets en essayant d'être le plus droite possible, le plus centré possible sur notre petite cartounette. Voilà, alors là, je ne suis pas droite du tout. Voilà, c'est mieux, eh bien. Voilà. Et on va attendre, bien sûr, que ça sèche bien. On la met en place, hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire de suite pour pas encore tout massacrer. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait dans l'autre là, ici, après une fois que c'est collé, vous venez faire votre petit tampon. Vous avez largement la place de poser votre tampon encreur, il n'y a pas de souci. Voilà. Et j'en ai mis un autre à l'intérieur. Maintenant, ça c'est moi. Après, le seul truc que vous pouvez mettre, c'est un petit sticker, si vous avez envie de le mettre. Voilà. Ici, vous pouvez mettre autre qu'un tampon, un autre petit sticker, une image, un aperon, ce que vous avez envie. Voilà. Mais après, voilà, faites attention parce que pour fermer votre carte, ou alors vous mettez deux petits rubans si vous avez envie que ça soit un peu plus épais, ou voilà. Donc moi, je me suis limitée au tampon. Voilà. Par contre, pour ma déco, donc, hein, le même morceau que là, je vous avais dit en 3 exemplaires. Donc ça va me servir pour ma déco. À l'intérieur de notre bloc, ici, on a des pages où il y a ces genres de petites étiquettes. Voilà. Moi, j'ai découpé celle-ci. Et comme là, vous voyez, on montre un petit peu le bord déchiré. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai redéchiré, moi, tout le tour. Et j'ai ancré avec la Walnut Stain. Oh, yeah. De mieux en mieux, de mieux en mieux. Voilà. Et ici, j'ai pris ce tampon de chez Action, le plus gros papillon, et je suis venue
le reproduire sur mon petit morceau de papier pour faire le rappel de mon petit papillon que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des dies de chez Action, les derniers, voilà. Je sais pas ce qu'il y a dans cette autre collection. Je sais pas du tout, j'ai pas vu, donc voilà, c'est pas moi qui les ai pris ceux-là. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait, mais bon. Alors, là, il va falloir que j'aille chez Action. Je vais mettre mon petit papillon ici. J'ai fait ma découpe de fleurs avec ce dies-là, d'accord, celui-là, que je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Ici, j'ai pris la petite fleur du bas. Je vais la rajouter sur celle-ci, comme ça. Voilà, parce que j'ai envie qu'en bas, ça soit rien que des fleurs. Ici, j'ai... Oh, bon Dieu ! J'ai pris celle du milieu, la découpe du milieu. Je vais venir la mettre comme ceci. Voilà. J'ai fait un petit nœud avec de la ficelle que je viendrai mettre ici. Une petite perlounette comme ceci de nos boîtes là. Et j'ai sorti d'autres petites perlounettes blanchounettes que je vais venir poser là sur... les différentes petits trous qu'il y a sur ma découpe. Voilà. Donc, je vous montrerai tout ça quand je l'aurai fini. Là, on va essayer. Hop, ma petite perlounette, je ne vais pas la perdre. J'ai attendu un peu que ça colle. On va essayer. Et ça fonctionne. Voilà. Et vous pouvez le remonter. La copinette, elle voit là le bel ongle. Vous rabattez et vous rentrez. Voilà, donc à l'intérieur, un petit message caché, un petit tampon, hello, bisous, coucou, au revoir, voilà ce que vous avez envie. Et après, votre carte, elle ferme comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que avant de faire votre déco finale, d'accord, vous la mettez un petit peu sous un poids, quelques heures, quelques. Voilà, pour que le pop-up prenne bien sa place, le mécanisme, voilà, et que votre carte, voilà, parce que moi je l'ai mis, regardez, celle-là, je l'ai mis sous un poids et elle reste nickel. Voilà, là on vient à peine de la faire, que tout se mette en place. Voilà, donc je décore et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé. J'ai fait mon petit nœud, mais moi, vous savez qu'avec la ficelle, je passe toujours. Oups. Mon petit briquetto pour lever le petit bout de ficelle. Je trouve que ça fait un petit peu plus net. J'aime mieux. Voilà. Donc, on va mettre un ch'tilla de colle. C'est un petit plus vers le haut, peut-être. Peut-être ou peut-être pas, écoutez. Oui, il est gentil. Voilà. Ici, ma petite perlounette, demi-perlounette pour cacher s'il y a un petit défaut. Non, c'est pas vrai, c'est pour mettre au milieu du nœud. Voilà. Et il me faut ici pour mettre là au milieu, et notre petite carte est terminée. Voilà, alors là, moi je l'ai faite comme ça. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place là, une petite étiquette, ce que vous voulez. Voilà. Et après, quand on l'ouvre, ici, un petit message ou pas.
on a le popinou, un petit message ici ou pas, comme vous voulez. Ah oui, non. Excusez-moi, j'avais oublié l'autre morceau. Voilà, ça. Et on rentre. Voilà. Ben écoutez, les copinous et les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. En attendant, moi, je trouve que... Voilà, voilà. Il faut attendre que ça sèche bien, hein, le mécanisme. Voilà. Après, le lendemain, ça marche que mieux quand la colle a bien pris, que c'est bien sec. Voilà. Donc, un petit tampon ou pas, comme vous voulez. Voilà, moi, j'ai fait ma petite cartounette. J'ai découpé le bord ici. J'ai fait un peu là. J'ai déchiré. Là, je ne voulais pas. Je voulais garder cet effet un peu trou de classeur. Là, ça me plaît bien. Voilà, j'ai déchiré le bord. Ben voilà, écoutez les copinous et les copinettes. Je ne sais pas ce que vous pensez de ma cartounette. Moi, en tout cas, je trouve ce pop-up très facile, voilà, à faire. Et je trouve que c'est bien pour les filles quand on débute dans le scrap. Voilà, ça fait son effet. Petite copinette, elle tire, elle voit le petit message, elle replie, elle peut avoir une jolie image derrière, ou même lui marquer encore autre chose là-dessous. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Et celle-là, je lui ferai une autre déco. Avec toujours le même bloc. Ben voilà, les copinous et les copinettes. Sur ce, je vais aller me rafraîchir un peu. Parce que je mourus là, dans ce croquis. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ma petite Clary, ma petite Nina, toi aussi, j'en fais des millions. Les filles, n'oubliez pas ce que j'ai dit dans ma vidéo, ça fait toujours plaisir quand on traverse un petit moment comme ça. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir... des petits messages qui fusent comme ça, qui viennent de part et d'autre. Ça fait un bien fou. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.